à Congo. Mi balé nanu mo kwati kala mo ba ki pale Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une offensive de grande envergure dans la mi-journée de samedi 23 avril contre les rebelles du M23 sur la colline de Bougoussa, en groupement de Jomba, territoire de Rutshuru. Pour le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, il s'agit de la réponse de l'armée loyaliste à la violation du cessez-le-feu par le M23. Eu égard à cette violation flagrante du cessez-le-feu tel qu'imposé par la hiérarchie, les forces armées de la République démocratique du Congo étaient dans l'obligation de riposter. Et ce que je dois vous dire, c'est que nous riposterons toujours tant que cet ennemi cherchera à attaquer nos positions. Signalons que le mouvement rebelle du M23 a violé la trêve imposée pour les pourparlers de Nairobi en attaquant une des positions des FRDC, causant ainsi la mort d'un officier et quelques blessés. Chaque fois que nous serons attaqués, nous riposterons et de la manière la plus forte. Nous sommes en train de consolider nos positions, mais nous sommes prêts à parer à toute éventualité. Comment moi ben y ne mon aïkala tout.